Bonjour et bienvenue, on est reparti, Wartel. Donc la dernière fois, on avait fini l'histoire d'ici, de Grimmir. Ça a pris un peu de temps au final, parce qu'on a, switché de zone et tout ça. On est revenu après par la suite et tout. C'était un peu compliqué, mais voilà. Par contre, on va essayer de finir les lieux. Donc il reste juste les rats, en fait, à faire. Donc on va faire ça, on va faire les rats. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire des torches? Je pense qu'on peut toujours faire des torches. Pierre de l'Est, tiens, j'en ai jamais fait. C'est des cornes. Accessoires de ceinture. Ça fait deux. Putain. Non, on va peut-être pas les faire en fait. Pression plus 10. Ouais, non, c'est pas intéressant en fait. Mais sinon, ouais. On a de la glace, du tisseux, du bois. Ça marche. Ça marche, ça marche. C'est parti. Donc dans cet épisode, on va tout simplement faire les deux rats. Et après, on va voir le reste. Pam, 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 pam. Le problème, c'est se repérer. Ok, par là-bas. Donc on va faire ça. Et du coup, ça nous fera la fin de cette zone-là. Il y a la zone aussi où il y avait la guerre, là. celle tout à gauche, là. Qu'on n'a pas fini. Enfin, on n'a pas fini tous les endroits, en fait. Donc, je sais pas, faudrait peut-être y retourner à un moment ou à un autre aussi. Pour qu'on finisse ça. Il y a aussi un sanglier qu'il faudrait récupérer, à la limite, un ou deux. Pour la nourriture, comme ça, ça nous éviterait de devoir acheter tout le temps des trucs. Ouais, il nous faudrait... Non, non, il nous faudrait vraiment un... Hop. Il nous faudrait vraiment un sanglier, en fait. On peut pas passer notre temps à acheter autant d'argent à chaque fois. Acheter autant d'argent. Non, c'est pas du tout ça. Acheter... acheter autant de nourriture à chaque fois, surtout que, bah, en fait, on n'en achète pas assez. Si seulement mes parents pouvaient me voir, je serais tellement fier que je suis venu. Rester digne. Montrer. Montrer. C'est le score. Alors, mener. Mener, force. Nickel, très bien. Oh mon dieu, t'es sérieux. Il y a un mec? C'est quoi? Ah non, 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 il y a un mec et sa troupe qui est derrière. J'ai rien dit. Mais ouais, faut absolument récupérer un sanglier ou deux. Parce qu'on peut pas vraiment... manger les crocopores, ils sont vachement bien pour nous, pour le combat. Donc du coup... Ok. Alors on s'est buffé avec dégâts sur les animaux là ou pas, hein? Merde. C'est les trucs de sardines, je crois qu'on en a plus. Bon. Dex, dégâts critiques et force. Ouais. Ouais, ça va, quoi. Ça va, ça va. Alors, les torches, il en faut quoi? 5.
4, 5. On va faire 5 déjà. Ok, maintenant on équipe les gens. Alors déjà Taurus, tu repasses en AOE. Ah, nickel. Alors Lucie, torche. Alors on avait vu que c'était intéressant le coup du... Le coup de ça là. Alors les zones odorantes. Ça peut aider. Classe K. Tu peux aussi faire torche. Liège aussi. Bon après ça diminue un peu en armure. Putain, lui me fait un peu peur parce qu'il il est bon. Mais ouais, c'est. L'équipement, c'est un peu pourri, quoi. L'armure, quoi. Toi, si je t'enlève le bouclier, ça fait un peu peur aussi. Miège, ça va. Klaska, ça va. Après, Inquisiteur, tout ça, ça va. Ah, One Art, tu. Flèche incendiaire, One Art. Ok. On est bon. Voilà, nickel. On s'est équipé tout ça. Bon, on n'a pas les dégâts contre les animaux x10. Enfin, plus 10%, mais bon. Là, on a des loups. Vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante. Le sol tremble. Et c'est parti. Il y en a 6. 124 de vie, 28, ok, ça va. Alors, 1, 2, 3 ici. Après, ça doit être l'autre côté. Ok. War, tu vas aider avec les... Non, attends, on va mettre ça d'abord de côté. Ok. Orline, tu vas partir. Oui, tu vas... AOE. Niège. Niège, tu vas rester là aussi, mais tu vas pas... mettre ici. Il me faut une AOE derrière. Taurus. Taurus, 8. Kirik. War, tu vas... Ouais, non, War, tu vas aider aussi en AOE. Voilà, là, ça, c'est les 4 AOE. Après, là, on a le gang supplémentaire. Méné, tu vas aider. Cheval, on va te mettre là. Après, on a Hacker. L'Inquisitrice. L'Inquisitrice, elle a aussi des AOE. Mais l'Inquisitrice va rester vers les cochons. Claque ça. Ok, Will, tu peux... Honnêtement, tu peux aller te faire ça tout seul, j'ai envie de dire. Ok. Ok. C'est parti, je crois. C'est parti. On a le cri de guerre pour tout ça. Ce
serait bien d'être un peu plus proche quand même. Pas mal, reste là. Je l'ai mis où, neige? Merde. Neige. Neige. Tu peux pas te faire lui. D'accord, c'est pas grave. Déplacement. On va pas. On va faire ça. Merde, je me suis désengagé. Ah, c'est pas très grave en fait. Attends, si je me mets là, je vais toucher la mer aussi, non? Peut-être me mettre là. Ok, là c'est mieux. Ah! Joli. Alors, War, tu peux me faire un... Tu peux me faire ça. Joli. Ok, c'est parti. C'est parti. Will. Alors le problème avec ça, c'est que... 80 de dégâts, évidemment. Vas-y, go. Il va se prendre 4 de poison. Ah, quoique non. Bien joué. Je sais pas pourquoi il s'est pas pris 4 de poison, honnêtement. Je suis un peu confus. Ok, Denis. De toute façon, quand ils apparaissent, ils tirent pas. Ça, c'est un truc aussi. Je voudrais bien que le barrage s'active quand les trucs apparaissent. Parce que, en fait, c'était ça un peu la beauté de XCOM. C'était de savoir quand des gens allaient arriver. De se mettre en Overwatch, là. Je sais plus ce que c'est en français. Et de se préparer, en fait. Et après, de les faire venir. Et après, tout le monde tire en même temps. Ça, c'était cool. Là, là, on peut pas le faire. Le faire. Pas protection, provocation, ça c'est quoi ça?
Nickel. Nickel. Alors. Klaska, elle peut aller défoncer ça, elle peut faire un crit direct. Ils ont pas de. Ils ont pas d'armure. Bon, les gens sont un peu loin, mais. Mais ça devrait aller. Ça a combien de force ? Zéro. Oh putain. Même, on peut même envoyer Lucie, elle va massacrer les trucs, quoi. J'avais pas pensé à ça. Ah merde. Comment? Joli. Nickel. On a l'inquisitrice Orline. Oh la vache. C'est bien. C'est bien, c'est pas abusé. Ralliement, c'est juste une fureur en fait. Chaque fois, je pense que c'est brutalité, mais non, brutalité c'est Taurus. C'est vrai que le cri de ralliement, à la limite, on peut l'enlever quoi. Presque. J'utilise tellement rarement. Je sais pas. En plus, je me suis même pas mis à côté de quelqu'un. Je sais pas ce que j'en pense en fait de ça. Du cri de ralliement. Parce que moi j'aime bien avoir un lancier dégâts et un lancier support, mais c'est vrai que le cri de ralliement je l'utilise quasiment jamais. Enfin, quoique, en fait, après en arène et tout, ça c'est super utile. Donc bon. Donc bon, on va pas l'enlever. On va pas l'enlever. Très bien. Il reste plus que Denis. Les cochons comme ça. Toi, tu vas aider les cochons si besoin, parce qu'on n'a pas besoin de que tu ailles aider pour ça. Elle peut aider. Pour distraire les autres, faut voir. Ah, ça a fait un trou, j'avais pas vu.
J'avais pas vu que ça faisait des trous. C'est sympa, c'est stylé. On va refaire encore un coup de ça, parce qu'on a plein de... plein de points. Et voilà, Führer. Oui, voilà, c'est l'exemple du exemple même en fait de pourquoi Führer de des fois c'est utile. Parce que ça rajoute pas mal de dégâts, juste pour l'attaque de la torche par exemple. Donc j'aurais dû taper celui-là, je suis con. Et du coup, bah ouais, ça change quoi. Oups. On les tape tous avec une tapette à mouche. Classe. J'avais dit que je restais devant. Attends, c'est qui joue? Ah, ça va, il est loin. Je voudrais pas que les cochons se fassent toucher. Comme d'habitude, on essaye d'éviter au maximum la peste. On fuit la peste comme les rats. Ou on fuit les rats comme la peste. Ah ah. Pas mal celle-là. Hein. Hop là, très bien. Il faudrait aller là. Mais je crois qu'il n'y a personne qui peut aller aussi loin. Ouais, non, c'est mort. Ah! Non, c'est pas si mort que ça en fait. Je suis sûr que je peux balancer une bombe de rats là et les faire venir aussi sur le tir. Je suis sûr que c'est possible. Pas évidemment quoi. Donc, vous savez quoi? Ah bah tiens. Hop là! Ah, parfait. Parfait, parfait. Débloquer le trait opportuniste. Yes. Bien, 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 bien. Elle avait pas de trait, elle. Alors, où est-ce qu'on peut se mettre? Pas dangereux pour le monde. Ok. Il était où le trou? Il était là. Ouais, peut-être qu'ils vont se mettre, je sais pas, on verra. On peut la faire taper. Ah. Nickel. Nickel, nickel. Est-ce que le cheval peut... Oh.
ça tue. Même le cheval, il peut les écraser, les rats, ça tue. Après, c'est un peu normal, mais... Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Pam, 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 pam. On va faire le prochain tour, on va tuer les rats et après on se casse. Lui, il va nous donner un point. Très bien. Will aussi. Vas-y, les faibles vont mourir. Faible rat. Voilà. Et hop. Qui reste? Bah tu couilles à toi. Ça c'est bien là. Et voilà. Donc ouais, faut trouver le trou en fait. Le premier trou là qu'ils font. Ouh, c'est la nuit. La nuit tombe, les rats s'enragent. Ça marche. Ça marche, ça marche. Putain, y a personne à portée, t'es sérieux? On a un. Trop bien. Faudrait qu'elle soit à la place de mener en fait. Oh là là, quel emplacement de merde. Jamais vu ça. Oh, attends. Ok, très bien. Pas en toucher 3, fait chier. Ok, c'est pour les bloquer un peu. Ouais, on va tuer le plus possible, puis après on se casse. On est bon. On ira au second. Ah, tiens. Oui, tu peux. Oui, tu peux faire un petit carnage. Ok, on touche que les rats. Très bien. Ah!
riposte. Ah ah. Pas mal, hein. Pas mal, ça aussi. D'avoir riposte comme ça. Lui, il va se faire tuer par... Wa. Je pense pas que le cheval sera assez bon pour... Après, il a... Ouais, il a brutalité et tout ça. Il faudrait aussi qu'il ait une icône pour dire combien de tirs il lui reste. Parce que barrage, normalement, c'est 4 maximum. Là, je sais pas combien de fois il a tiré. À part, à part me rappeler, bien sûr. Bouge pas, Lucie. Non. Miège, bouge pas. Yes. Magnifique. Vers toi, Will. Très bien. Taurus va finir la mer. Voilà. Allez, Taurus. N'en parle plus. Bien joué, tout le monde. Bien joué. Donc on a eu les seekers. Ça va. Ça va, bien joué tout le monde. Ah non mais cassez-vous les esprits, j'ai pas le temps. Pas le temps, mon esprit, tout ça, tout ça. Alors maintenant, prochain rat. Putain, c'est méga long, quoi. Attends, je passe par où? Il faut suivre la route, quoi. Faut suivre la route. Ça lag pas mal là des fois. Des fois j'ai l'impression que le jeu il faudrait que je le relance. C'est quoi ça? Ah c'est encore du jeu. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit qu'on voulait peut-être prendre un poney en plus. Tant 15. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend encore un de plus? Alors, faut voir les torches qui nous restent. 5 sur 6, 6, 6, 4, 6. Ouais, on est bon. On est bon. Qu'est-ce que... Cure pestiférée, du coup on peut le garder.
Ouais, on pourrait garder plus de choses hein, si on prend encore. Là, on sera super large. Hein, quand même. Agile. Il est tout blanc, lui. Classe. Sanguinaire. Laborieux. Laborieux, il transporte plus, du coup. Ah, j'aurais bien voulu prendre le blanc, mais... 49. Ah, là, il passe à 52 parce qu'il est laborieux. C'est parfait. Poney niveau 6. Ah, oh, putain, il va être super cher, non? 900. Bon, ça va, on fait deux rats. Ça payera pour notre poney. Putain, merde, quoi. Une excellente idée. Oui, tout le monde est content. Tout le monde est content. Ça a augmenté ou pas? On n'était pas déjà à 9... Ouais, bah oui, on devait être à 900 et quelques. Là, c'est plus 72. Ah, et on est monté à 120. 121, ça va. Je pense que c'est très bien. Comme ça. Je pense que c'est très très bien comme ça. Alors, nouveau poney. Bien comme ça. Et du coup, nouveau poney. Super sabot. Là. Voilà. On est 45% plus rapide. Très bien. Sardine aux champignons. C'est bon ça. T'as blanchi ça, que dalle. C'est bien, continue. Les rats. Après les rats, on en a tellement. À un moment où on récupérera plein de carcasses, on ira faire un remède. Enfin, j'en sais rien. Enfin non, on n'a pas vraiment. On a vraiment pas besoin. Ouais, ce qu'on a besoin, c'est de cochons. Là, oui, là, oui. Comme je dis, il nous faut des cochons. Il faut quand même trimballer des sangliers pour manger. Le coffret a été blanchi, nickel. Ouais, il nous faut quand même des cochons. Parce que ça aide vachement quand les jotteries te balancent genre 40 ou 60 morceaux de porc. Là, c'est bon quoi. Donc si jamais on en voit, on va en prendre. Ouais. C'est bon, let's go. Faire attention, c'était quoi ça? Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est un sanglier? Ouais. Yes! Sanglier niveau 8, ça tue.
Oh là là, ça tue. Bon, pas prendre de lait, ça sert à rien. On va essayer de prendre 5. Oh putain, j'ai pas les cordes. Je crois que j'ai pas assez de cordes. Je vais être honnête, je crois que... Niveau cordes, on est dans la merde. Ah oui, mais on est équipé pour les rats, quoi. Aïe aïe aïe. Elle est où, War? Ah, elle est de ce côté. Merde. Pas un peu le vide, hein. Ah, il reste plus que ce côté-là. Attends, on a deux points de bravoure. On a deux points de bravoure jaune. Parfait. Nécessite une corde, une seule, ça va. C'était quoi qui nécessitait genre 2-3 cordes? Je crois que c'était 3 cordes. Je crois que c'est peut-être les alphas ou alors... Ouais, je crois que c'est les alphas peut-être. 3 cordes, les loups alphas. Après, je crois que ça doit être... Les ours, c'est 5. Je crois. Avec la tapette. Ça fait 2 ou 3, j'ai déjà oublié. Oh merde. Taurus.
Il faudrait pas trop non plus. Utiliser nos bravoures, parce que je pense pas qu'on va aller dormir. D'ici le prochain. Nidra. C'était une grosse connerie. Ah oui, non, complètement gâché là. Complètement gâché. Bien. Oui, tu peux. Tu peux faire un truc. Je crois qu'on va tuer ces deux-là. Voilà. T'es engagé, c'est bien. Non, je vais pas le faire taper parce que lui va faire des critiques de fou. Non, non, lui. Non, lui risque de faire des gros critiques, ça va être catastrophe. Non, on va passer le tour. Histoire d'en récupérer encore deux ou trois. Et je voudrais en garder trois, moi perso. Non, 5. Non, 5. Oui, 5. Oui, 5, ça serait bien. Ça nous ferait bien à manger. Il faudrait pouvoir ne pas les mettre en combat, par contre. Mais bon. Donc ça va, on a utilisé que 3 points de bravoure, ça va. On pourra faire les rats sans problème. Très bien. Très bien.
Comme ça, quand ça sera son tour... Ben, je sais pas quand ça va être son tour, en fait. Mais c'est peut-être une connerie, ce que je viens de faire. Ah oui, j'ai pas de bombe. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu qu'il tapait, je me suis dit, putain, il a loupé. Oh, yes. Nickel. Reste plus qu'un. Crocopa a débloqué le 13. Sont très sociables ces créatures. Très très très. Voilà. Ah, ça nous fait à manger. Là, ça nous fait un bon manger. Ah, oh, parfait, juste 5. Putain, je pensais qu'on en avait moins. Juste 5. Ah oui, on pourrait mettre des bons compagnons, mais c'est utile. Bah, je crois qu'on a assez de... Est-ce qu'ils ont une portance? Est-ce qu'ils peuvent porter... Non, ils peuvent pas transporter de base. Les mettre au centre, ça donne quoi? Ça donnerait du 4. 4 de joie, là. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? J'ai envie de dire. Je crois qu'on s'en fout. Hein. Je crois qu'on s'en fout de la joie. Parce qu'on est toujours au max, on n'a pas de problème. Puis on a plein d'alcool. C'est la joie en bouteille. C'est la joie en bouteille. Mais par contre, quand on va commencer à les tuer, ils vont. Ça va être lourd. Il faudra porter toute la bouffe. Mais où c'est qu'il y a du 2? Je me fais pas chier. Ils vont pas rester. Nickel. Super sanglier qui vont être très bons. On a 1092 de portant, c'est bien.
Là, en théorie, on va vraiment pas vraiment avoir de problème de nourriture. On va vraiment faire exprès, en fait. Bon, alors après, j'avoue que il fallait peut-être faire ça après les rats. Bon, je l'admets, c'est peut-être plus intelligent de faire ça après les rats, parce que là, ils peuvent se faire mordre. Je le conçois. Soit. Mais bon. On avait une occasion de le faire. Là, c'est parti. C'est qui ces cons là? Ah oui, attends, vous étiez qui vous? Niveau 9. Ah ouais, quand même. On va se rééquiper. On se rééquiper. Ok. Parce que niveau 9 comme ça là, qui vénère, et en plus normalement ils vont. Ils ont un crâne, donc ils vont appeler des renforts. C'est qui ces connards là? C'est gros noir. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je fume pas, j'ai pas de cigarette, putain. Chier quoi. Ouais, ils vont être relous. Et il faudrait les capturer quoi pour les vendre. Mais on va peut-être pas exagérer. Vous nous faites chier. En fait, on va devoir dormir avant les rats, hein, parce que là... Ceux-là, ils vont nous poser problème. Joli. Suis pas sûr que ce soit intelligent ce que je viens de faire. J'aurais pu faire des points en fait de bravoure en tuant. J'aurais pu faire des points de bravoure en tuant. Ah. J'ai fait du crit. Putain, sans déconner. Débile.
ça. J'aurais dû peut-être attendre de le bloquer lui aussi. Avant de le jouer. Bon, maintenant c'est fait, c'est pas grave. Mal, le crit. Oh la vache. Ouais, enfin lui il a pas beaucoup de garde donc c'est un peu normal. Joli. Il a mené quelque part. Non. Will, il est tout au fond. Très bien. On va lui mettre un debuff. Ouais, je sais pas vraiment ce qu'ils foutent là. C'est pas la première fois qu'on les voit. On les avait vus, mais on les avait évités en fait. Et en théorie, ils devraient avoir des renforts. Donc, on n'a pas fini. Parce qu'ils ont un crâne. J'espère que... Très bien. Bah, ils sont niveau 9, j'ai envie de dire que ça va être de l'équipement haut niveau. On va peut-être en profiter. Au moins tuer tous ceux qui sont là. Si on y arrive, ben on part. Enfin, ça sera fini quoi. Ah oui, c'est vrai que t'as pas la même. Mais merde. Très bien. Là on a fini. Là il reste lui. Le poste, renforcement. Protection. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui jouent avec les loups. Bah, c'est classe hein, d'avoir des loups, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est classe. Ça fait, comme j'ai dit, c'est ça, quand même une bonne chose de pouvoir faire du... Merde, ok. Du saignement, là, quand les gens ont plus d'armure et tout ça. Mais au final, moi, j'ai jamais vraiment joué... Jamais vraiment joué avec... Ah tiens, ça a mis du poison du coup, cool.
avec les loups, nous on a surtout joué avec des porcs en fait, des sangliers, tout ça. C'est marrant quand on y pense. Des rats aussi, des rats. On a fait beaucoup de rats. Énormément de rats. Du coup, on attend les renforts ou pas? Enfin... Je crois que c'est limite, on va être obligé de toute façon. Donc... Espérant que ça va pas être de... ça va pas durer 3 heures. On doit bien le finir, ça. Les rats, là. Ça va, on a de la bravoure. Toi, t'as pas vraiment besoin d'aide. Je sais pas où ils vont arriver, du coup. Normalement, ils devraient riposter. Pas mal. Ah, riposte et affaiblissement, c'est cool. Mais j'apprécie beaucoup qu'il y a encore les cadavres qui restent et tout ça. Oh, la guerre des 30, c'était magnifique. Le terrain, c'était tellement... Genre, ça avait l'air tellement réaliste, en fait, avec tous les cadavres qui s'empilaient et tout. On voyait même pas les carrés sur le sol, là, quand on se déplace et tout. Tellement qu'il y avait de cadavres. C'est incroyable. On va mettre les cochons au centre, sans trop gêner, par contre. Faudrait leur mettre des aptitudes, genre faire manger les cadavres par exemple. Ça peut être pas mal, parce qu'il y a les aptitudes comme ça avec les rats. Oh, attends, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Deux. Ah non. Non. Bah, normalement ils avaient un crâne, c'est bizarre. Bon bah c'est pas grave. Il y a l'aptitude, genre, si le rat, genre, tue la personne, il a pas besoin de manger. Bon, ben, le rat, c'est deux, quoi. Oh, yes! C'est pas vraiment le truc. Putain, c'est oblitération, mais en mieux. Oh, ça tue! Ah, ça tue! Putain, c'est limite la main de la justice, on n'a plus envie quoi, parce qu'elle est tellement basse en fait. Enfin, après, son aptitude est super utile, hein, mais bon. J'avoue que là, 54, 15 à 26. Mais après, ça fait une attaque d'opportunité. Non, on va quand même utiliser encore la grande hache de l'Inquisition pour les combats normaux. Ouais. Par contre, celle-là, du coup, on n'a plus besoin. Ça, c'est légère niveau 8. Oui, bah du coup, non. Toi, c'est en critique 4. Là, c'est quoi? En fait, c'est plus d'armure et juste un de critique en moins. Non, War, tu vas pas changer parce que t'es classe avec ce costume-là. Honnêtement, je voudrais bien que tous les archers aient ça. Orlin, peut-être que... Ouais, peut-être qu'un peu plus d'armure, à la limite. Hacker, t'as quoi? 4. Ouais, Orlin, un peu plus d'armure, juste au cas où. C'est vrai qu'elle... n'est pas vraiment là à vouloir de faire des dégâts. Ah, maintenant on peut prendre ça. Ah oui, c'est vrai que maintenant, oui, on peut faire du cuir avec les humains. Donc, non, mais c'est pas... Non, 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 c'est très bien en fait d'avoir pris un cheval en plus. Merde.
d'avoir pris un cheval en plus et d'avoir augmenté le poids des cochons là. Ah oui, c'est complètement bien en fait. Je sais pas où on est. Je me suis encore perdu dans mon monde. Ah, c'est là qu'il y a eu la révolte, qui a tué encore les cadavres. De saphir. Les seules bestioles qui nous manqueraient, je crois, à capturer, à tester tout ça, je crois que c'est les créatures fantomatiques. Quasiment sûr qu'il ne nous reste plus que ça. Quasiment sûr qu'il reste que ça. Ah, par contre, on est en pleine nuit. Bon, on est à l'aube maintenant. On va dormir, je crois. Je pense. Enfin, ça sert à quelque chose de dormir, en fait, ou pas? J'en sais rien. Ça rien en fait. Sardine fumée, perche. Non, en fait non. Non, ça sert à rien du tout. Par contre, je vais juste soigner les cochons. Si je peux. Histoire de... Oh merde, non, la vache. Ça va, on a encore des remèdes. On va voir les remèdes un peu, comment ça se tient. Pain, 17, ok, ça va. Les repousses cheveux, je sais pas à quoi ça sert. Vous avez utilisé cet objet. Merde! Sur le sanglier? What? Attends, il a... Repoucheux. Selon les instructions du flacon, il faut dormir pour que les repoucheux fassent effet. Mince. Je crois que c'est pour refaire le personnage. Mais là, on a fait sur le sanglier. Je vais pas quand même casser mon jeu, non? Merde. Quel con. Si vous, ça va faire un sanglier avec des poils longs, je sais pas. Ça va faire un truc chelou. Ça va faire un truc chelou. Très bien. Bon, on est reparti en mode torche. Donc on va prendre les torches utilisées. Non, attends. Ça. Ça, c'est bon. Toi, tu restes comme ça. Orline. Hacker, toi, tu vas prendre une torche. Je pense que Hacker, tu fais mal quand tu tapes. Donc il y a de grandes chances que tu one-shot en fait. Et Lucie. Ouais, tu as une grande chance que tu one-shot le truc. Ok. Je pense qu'on est prêt à y aller. Je pense pas qu'on va dormir. Hein. Ça sert à rien. Ouais, tout le monde est plus ou moins bon. En armure. Let's go. Ok. Je
juste voir un truc. Taurus, il a quoi? Il a oublié Terration. Ok, ça marche. Bon, ils vont avoir rage dès le début, mais on va passer un tour et c'est bon normalement. Il est 6h, ouais, 7h, c'est bon, je crois. Ah, ils sont un peu plus haut niveau. Ils sont niveau 7. Plus niveau 6. Ok. Attends, on va essayer de... mettre les sangliers à l'extérieur. Ok. Donc on a War. Là, on peut faire un gros carton, ça marche. Lucie devant. Toi aussi devant, parce que toi tu fais des AOE. Will, tu vas partir. Klaska, toi Will, tu vas partir. Il y en a 7 à tuer. Will, tu peux nous faire, genre dès le début, très mal. Yawanar, tu peux nous brûler ça. Hacker, tu vas aussi partir. Orlin aussi. Kirik, tu vas rester là. Taurus, Taurus AOE. Le cheval, est-ce que le cheval il peut one shot encore? Non, il faut que on le booste. Alors, par contre, je vais un peu mieux jouer mes boosts. Alors, attendez, réfléchissez. Alors, Taurus. Taurus est là. Donc, il faut que je bouge un peu mieux mes boosts. Alors, est-ce qu'elle, elle peut toujours les one-shot? Okay, elle, elle est one-shot, ça, nickel. Sans problème, pas besoin de booster. Après, les gens avec les torches, on va les booster. Comme j'ai dit, c'est pour augmenter les dégâts de la torche, tout simplement. Will, il va se prendre un buff de boost aussi, un buff de dégâts. Ok, je pense qu'on peut y aller. Ok. Et c'est vrai qu'on n'a pas de bravoure, putain. Oui, c'est pour ça que je voulais dormir, voilà. La bravoure. La putain de bravoure. Quel débile. Enfin, après, j'ai envie de dire... si on veut de la bravoure. Alors. Si on se déplace un tout petit peu là. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être pas mal. Voilà. Oh, on en a un derrière. J'avais pas vu du tout. Oh, je l'avais pas vu lui. Merde. Alors, toi maintenant, tu one shot ou pas? Ouais, yes. Le cheval one shot. Alors. Pas mal. Oh merde, je suis pas assez prêt. Très bien. Niège.
J'espère que la torche suffira. Non, en théorie, oui, il va se pisser pas un boost. Peut-être pas en fait. Ok, yes, nickel, nickel, nickel. Pascal devrait faire mal, non, avec la torche, elle devrait one shot. Ouais, elle, elle one shot. En plus, elle a la force. C'est de la force, le coup de torche, ou pas? C'est considéré comme quoi? Un fait dégâts à toutes les unités dans la zone, leur applique brûlure. Ça dit pas... Ça dit pas sur quoi c'est basé, 27-46. Ouais, ça doit être leur attribut principal en fait. Voilà, parfait. 2 points. Ah, on peut faire ça. Hop là. Stratégie qui coûte quand même cher en bravoure, mais qui marche. Qui marche, qui marche. Alors, Will. Très bien. Je vais aller là du coup. Alors là, ouais non, ça peut pas s'engager ça, on avait dit. Hein. Genre on l'engage, on tape, après on peut retaper. 241. Nickel, donc il en reste 1, 2 ici, après il y en a un là. Ah oh, oh, putain, mais il y en a deux derrière, quoi. Putain. Ça marche. On a fait un des plus loin, en fait. Ça, c'est bien. Oui, il pourra faire le prochain, qui est juste là. Ah oui, t'as pas de torche, toi. Merde. Oh, le trou, il est là. Faut trouver les autres trous, en fait. C'est ça? Là? Là? Ah, ça doit être ça, en fait. Ça doit être ça. Est-ce que le cochon le tue? Ah non. Très bien, très bien. Il reste quoi? Il reste lui encore. Putain, chier. Je sais pas comment. Ah, Lucie, on avait dit qu'elle pouvait one-shot les trucs. Go, on va test. Yeah, bah. Complètement. Complètement. Alors, toi, tu vas faire ça.
le finir comme ça. Oh. Oh. Voilà. 3. Donc il reste 1 en arrière là et après c'est tout à gauche. 1, 2, 3. On va directement le détruire. Parfait. Bon, je peux pas l'aider pour le poison. On peut envoyer tous les cochons là, hein, honnêtement. On peut le faire. Hein. Ça irait vite aussi. Hein. Mais bon, après, ils risquent de se faire mordre et tout. Voilà. Oh putain, peut-être que ça passe. Celui-là, comme ça, Warrington, elle donne l'ordre de s'attaquer. Ah mais merde, mais attends, quand ils vont taper, ça va faire du poison. Attends, sauf cela. Putain, il y a un trou juste là. Merde. C'est possible qu'il y en ait un ou deux qui sortent de là, en fait. Je me recule parce que j'ai pas la place pour bouger. Enfin, non, j'ai pas la place pour mettre un cochon au centre. En fait. Lui va pouvoir one-shot celui-là. Lucie, elle va finir celui-là. Enfin, non, même. One Art, il va finir celui-là. Elle, celui-là, ça fait 2, 3. Ben c'est tout. Hein. C'est tout. Chaque fois, je pense que j'ai le... On va mettre 2 poisons à ça. Comme ça, l'autre, il va faire plus mal. 3 de poison, pardon. Comme ça, il va faire encore plus mal, en fait, quand il va taper. Parce que de toute façon, c'est full. Cool. Ça lag beaucoup hein, dans cet endroit. Ça lag beaucoup. Est-ce que les ports... Non, là encore. Kirik. Très bien. Où est-ce qu'on a vu un nid? Non, un trou. Là. On va voir si notre jugement est bon. On va voir. J'ai peur que ça, par contre, faudra tester avec Wit. Vu qu'elle peut pas bouger, est-ce que elle va pas se prendre le dégât de l'arme directement?
savez, les dégâts rajoutés, là. Est-ce qu'elle va pas se prendre ça directement? Parce que ça fait comme si elle bougeait pas, en fait. Ok, trou. Trou là-bas. Waouh, trop bien. Bien joué. Bien joué. Je crois qu'on va booster le mouvement pour pouvoir se placer parce que sinon ça va être la merde. Ah putain, on fait chier. Ah mais si, 30, ça les tue. Ça, il y en a qu'un seul qui a survécu, ça va. Non, ils ont 36. Je croyais qu'ils avaient 28 de vie. Je me disais, pourquoi c'est pas rouge? Bon, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Bon, lui va se faire mordre. Et lui aussi. On va devoir les soigner. Parfait. Je pense pas que je peux faire deux lignes, même si elles sont... S'ils sont bien alignés comme ça. Non. On va se mettre là, ça va les attirer au moins. Alors, il en reste deux, ils sont où? Ah oui. Hop! En fait, je mets ça, mais ça sert à rien s'ils bougent pas. Ils sont tous collés les uns aux autres, donc ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Hacker, il peut me défoncer ça. Ça fait mal, mais... T'es sérieux, là? Bon, on peut partir. On peut partir. On n'a pas vraiment besoin de rester plus longtemps que ça. Il en
fait voir un peu si Monsieur Cheval peut faire. Ah non, Cheval il passera jamais. Ah c'est chiant. Faudrait que sa charge soit beaucoup plus longue. Parce qu'elle est tellement petite. 6 mètres maximum. Je peux peut-être passer comme ça, je suis même pas sûr. Non. Non. J'ai envie de garder Taurus pour la matriarche. Après j'ai envie de tester Weed mais bon. Ouais, je voudrais bien faire des plus de kills en fait de rats. Alors ici. Ça nous fait des dents aussi. Quand même, ça nous fait des dents. C'est pas mal. On peut faire encore un tour. Un round. On a deux cochons touchés pour le moment. Ce que ça va faire. Yes. 1. Ok. Yes. 2. Yes. Lui, il peut pas bouger parce qu'il était bloqué. Lui. Yes. Pas mal. Joli. Très joli même. On va s'en aller parce qu'il y a un trou du coup. Nickel. Ah oui, il y a ces deux là, merde. Je sais pas, j'hésite à faire encore un tour ou pas. C'est parce que, ouais, les dents, quoi. Je dirais pas non aux dents. C'est une façon vraiment cool de faire pas mal de dents. Très bien. Ah merde, je peux pas taper, putain. Là, je peux taper avec les deux, ça va.
Oh, d'accord. Ouais, non, leurs attaques font beaucoup moins mal quand même. Hein, parce que elle est tellement OP niveau dot. Du coup, oui, ça fait moins mal quand même. C'est beaucoup moins mal. Ah, avec l'arc de War, hein. C'est énorme quand même. Elle peut faire facilement 5 bravoures. Bon, il y a deux cochons qui sont contaminés. Pour le moment, c'est tout. Donc, un, c'est un... C'est un croco. C'est un croco, donc c'est embêtant. Faudrait le soigner. Mais après, le reste, ça va. Le reste, c'est un autre sanglier, on s'en fout. Ce sera celui-là qui passera le premier. Hein. On va le bouffer, il est contaminé, c'est cool. Ça, c'est 100% logique. On est bon. Bah, on avoir de plus en plus. Après, ils ont rage, machin, etc. etc. On va sortir des trous. 30. Ok. Oh la vache. C'est chaud quand même. C'est pas mal. Ah bon, on va en avoir des rats. Oh la vache quoi. Par contre, là c'est un peu la merde. Est-ce que je peux avoir celui-là qui est juste devant là? Non, je pense pas. Bien. Neige. Oh, merde. Ça fout le feu au truc, ça. Bon, toi, tu peux toujours tirer, ça va. Ça commence à laguer sévère. À cœur.
Oh la vache, 102 à 144. C'est un coup de torche, quoi. Putain. C'est fou, ça. Incroyable, les dégâts. Ça, ils sont déjà plus de 12. Oui, par contre, lui, il a la moitié de sa vie, quand même. Adieu. Très bien. Ça commence à être un peu vide. Bon, on va garder Taurus pour la fin et on finira. Avec Taurus pour tuer la matriarche et hop c'est bon, on a plus une centaine de morts, ça va quoi. Oh, ça marche avec le cheval. Ouais, aussi le cheval. Ah, celui-là, il va peut-être pas bouger. Si, il bouge, ok, ça marche, nickel. Hop là. Ah, oh, il a plus de tir. C'est pas grave, c'est cool. En plus, on peut les diriger où il y a l'éboulement. C'est intéressant, c'est vachement bien, vachement bien. Ces trucs, je crois que c'est... C'est peut-être aussi utile que... Je sais pas, genre les haches qu'on a utilisées tout le long... Ouais, non, non, c'est vachement cool. Ce système-là avec les créatures. C'est vachement, vachement sympa. Très content d'avoir testé ça et que ça marche. Ah tiens, on pourrait en capturer un. Ouais, non, on va pas recommencer avec les rats, quand même. Voyons. Bon, il reste plus que deux. Ah, là. Ok. Le cheval, il va le piétiner. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, le cheval, il va le piétiner, j'ai dit. Okay. Très bien. Il a 162 vies, le cheval, quand même. Allez, qui veut en finir? Taurus encore? Qui veut en finir? Ouais, Taurus, go Taurus. Voilà. Parfait, bravo. Bravo l'équipe. 83. Putain, j'ai l'impression qu'on a tué beaucoup plus. 81 dents. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Parfait. Ah bah ouais, on est à 920 quand même. Hein. Bah au final, ça vaut le coup. Hein, ça valait le coup de faire les trucs lourds. Là. Les cochons là, qui transportent. Ah, ça y est. Donc, Taurus à brutalité. Donc on ne le prend pas.
Ça, c'est tant que la santé à moins de 30%, fiche toujours des coups critiques. Ça, c'est pas intéressant parce que c'est pas ce qu'on va. Donc, nous, on essaye de faire ça. Attire en mêlée tous les ennemis dans la zone, applique fragilité pendant un round aux ennemis ainsi désengagés. Donc, ça, faut tester. Donc, ça, faut tester. En gros, faut jouer dès le début. On le met devant, comme ce qu'on fait maintenant en fait, c'est-à-dire on le met devant un groupe d'ennemis, genre 3 ou 4. On fait Octavion, c'est ça le nom ? Ovation, pardon. Octavion, je sais pas pourquoi. Ovation. Tout le monde est boosté en vitesse. Après, crit défi. C'est que 3 mètres par contre, donc il faudra bien le mettre en plein milieu. Tout le monde aura fragilité. Et apparemment, ça attire en mêlée tous les ennemis. Donc est-ce que ça va faire comme les rats, genre ça va le faire vraiment venir sur lui ? Peut-être. Ça serait vraiment intéressant du coup, parce que du coup... Après, genre, on prend 8 et tout ça, on fait des AO et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc intéressant à jouer. Il y a vraiment un truc intéressant. On va mettre ça. Et Lucie, c'est Lucie qui avait le... Ça. Un racker, on te remet TH pour les coups critiques. Il y a ça aussi, je suis vraiment... Les fioles démarrées, j'ai un peu aussi envie de tester. Je sais pas. Non, lui, vu qu'il fait du saignement et tout ça, et qu'avec ça, non, lui, il faut les haches. C'est très logique, en fait. Et nous, avec les bombes, là, ça met de la fièvre partout à chaque fois qu'on fait poison et bombe. Non, c'est très, très logique, ce qu'on a. C'est très synergique. Synergique. Voilà. Alors, toi, on veut que tu sois tank. Lucie, t'as 59 de constitution. Toi, t'as 59 aussi. Tu vas même avoir un peu plus. T'as 19 mouvements. Volonté, t'as 15. Bah, du coup, force. Hein. En espérant que... trouve une meilleure hache qui peut faire un truc. J'avoue que c'est un peu cool. J'ai envie de 25%. Ah non, mais laisse tomber, il fait ça. Lui, c'est pas grave. Allez, vas-y, t'as la chance, on va te faire un remède. Bon, bah voilà, c'est mort. Voilà, on a gaspillé, on l'a fait exprès pour toi. Ça fait de la merde, le machin. Taurus. Tu reprends ta hache, même si, encore une fois, celle-là, elle est vraiment haut niveau. Mais bon, ça fait quand même vachement mal, ça, pour les humains. Bon, ben voilà. On peut se reposer. On a bien travaillé. 970 qui nous attend. Je sais pas si on le souhaite. Ça m'énerve en fait de voir ça là. Toi, c'est de l'argent gâché quoi, sérieux. Ne le fais pas, c'est de l'argent gâché. Putain. Arrête. Putain, je l'ai fait. Alors, les corps. 83 rats en tout. Je vais être honnête, c'est bien. Du coup, parce qu'on en a, enfin, on en a beaucoup de côté. C'est bien parce que, comme ça, si on veut faire un remède... Parce que les rats, ça court pas les rues, encore une fois. C'est pas comme un pareil. Et du coup, ça nous permettra de faire des remèdes un peu quand on veut. Et quand on aura 15, par exemple, on retournera à Corsia, on récupère du miel, on fait un remède direct. Ça va être bien, ça. Ça va être bien. On a quelques sardines en plus. Peut-être les faire. 5. Il faut du sel aussi.
histoire de pas balancer tous mes ingrédients. Allez. Hop. Voilà. Nickel. Je crois que le groupe est bon. Voilà, je suis content. Le ronflement de Crocopore ont dérangé Crocopore. Okay, cool. La repousse cheveux n'a pas fait effet sur Sanglier, dont le crâne est déjà bien garni. Ok, ça marche. On a un Crocopore ronfleux. Ronfleur, je sais. C'est pour rigoler. Alors, toi. Ah, War. J'aime pas les rats, c'est ça? Heureusement qu'on ne demande pas de nettoyer des nids de rats tous les jours, quand je pense qu'après la guerre, c'était le boulot principal des mercenaires. Je plains nos prédécesseurs. Ah ouais, carrément? Relativiser. Canural, statut cauchemar. Ah, d'accord, super. Se rassurer en se rappelant que ces missions sont rares. Cauchemar, ok. Insulter, exprimer clairement son avis sur le mécontentement du groupe. Sur l'incompétence du groupe, pardon. Pourquoi l'incompétence du groupe? Après, je suis sûr qu'il y a des événements un peu drôles à faire, peut-être. Genre, où les gens se détestent. Et genre, alors peut-être s'entretuent, mais peut-être se blessent à la limite. Est-ce que ça peut faire d'autres choses aussi? Je sais pas. Faire promettre au groupe de ne pas y retourner de sitôt. Oui, non, honnêtement, oui. Oui, de toute façon, on n'y retournera pas de sitôt. Voilà. Ça, t'inquiète pas. Ouais, deux restants. J'ai une idée qui te rase la troupe de combat dans une tanière de rats. C'est marrant parce que... Je vais pas dire, mais c'est un perso du... Genre du début, hein, quoi, qu'on a eu. Qu'on a... Wartinga, hein. C'est elle du début. C'est bête qu'elle n'est pas là. Il y avait Aegram, là. C'était une affranchie. Elle avait eu le buff, genre fait plus de dégâts et tout ça, aux rats, parce qu'elle détestait les rats. Il n'y a personne d'autre qui a eu ça. Donc, ouais. T'inquiète pas, deux restants, c'est très bien. On va s'arrêter là. Mais je suis content, c'est bien passé. On a fait pas mal de trucs. On a 970 qui nous attend. Vous avez terminé la région de province de Grimnir. Yay. Yay, yay, yay. Grimnir 100%, Vertrus 100%, Tiltren 100%. Il manque Arthès. Il y a un peu des trucs bizarres à Arthès, on avait vu, genre le cheval noir et tout ça, loge vide et tout. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc je vais peut-être un peu me regarder sur Steam. Et maintenant, il y a la nouvelle zone, la dernière zone. On va la continuer, je pense. Ouais, je pense que la prochaine fois, on va la continuer. Qu'est-ce qu'il y a de proche, là? Il y a l'entraînement. Non, domaine. Le moulin... Tour de l'aube. Il n'y a pas de marché noir ici. Hein. De toute façon, on n'a pas énormément d'argent non plus. Il faudrait qu'on prenne un peu de la nourriture parce que j'ai pas envie de balancer plusieurs repas genre en même temps. Genre un type de repas, on en met 2-3 parce que ça fait des buffs et du coup, ça serait des buffs pour rien. C'est énorme quand même qu'on est à peine à 131. Quoi. On était monté à 150 avec les ours et tout ça. Là, on est à peine à 131. C'est vrai que les sangliers consomment pas beaucoup en fait. C'est bien. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. On est à... Ça va, le poids est bon. Très très bien, je serai content. Je suis content de mon équipe. À la prochaine.